là. Veux-tu boire quelque chose? Comment va mon père? Bien. Il a repris ses activités. Il a été blessé moins sérieusement que toi. Mais... Il se sent coupable, c'est certain. Tu aurais pu mourir, Mariette. Tout ça parce qu'il devait de l'argent à un prêteur. Mais par chance, ils l'ont arrêté, cet homme-là. Bon, il n'y en était pas à ses premiers délits. Mon père aussi, il a tiré. Inquiète-toi pas. Maître Daviaud s'occupe de Bertrand. Mm. J'espère juste qu'il a eu assez peur pour régler son maudit problème de jeu. Mm. Je veux pas que tu t'en fasses, ni pour ton père, ni pour personne. Ton énergie, il faut que tu la gardes pour guérir. J'ai une idée pour t'aider. Je vais t'amener avec moi pour ta convalescence. En Italie. Mauro va nous prêter sa maison sur le bord de la mer. Ça va toujours avec lui. Oh, quand il a su ce qui vous était arrivé, il est venu expressément d'Italie pour être avec moi. Je suis contente pour toi. J'ai su que Maxime t'avait fait une grande déclaration. Il est parti. Pour une semaine. Tu sais, il y a un poste important chez les Santorelli maintenant. Ça va lui demander des sacrifices. Ouais, mais il m'appelle pas. Bon, il veut pas te fatiguer au téléphone. T'es encore fragile, Marielle. Dors. Je vais rester quand même. Tu sais pas la meilleure? Robert est parti en croisière avec Lucille. Je te suis demandé ce qui se cache derrière ça.